que ça n'avait pas marché, qu'elle avait... Le appel pour Samuel de la lutte avec le couloir 4 de Basile Dubois. L'avantage peut-être pour Basile Dubois. Est-ce que vous... Regardez bien cette course car elle sent tout entre 71 et 76. Marie Guillaume pour la belle bagarre. Et le retour d'Alicie en retard de la ligne. Waouh, ça c'est une arrivée disputée. Bravo mesdemoiselles. C'est la quatrième série du 400 mètres haies. Un bon duel. Sur le sprint, et c'est le nouveau racé qui l'emportera en 68-37 avec une délicieuse 68-37. Claude, placé au couloir 5 avec son maillot bleu, short bleu noir, c'est elle qui a déjà une belle avance sur série 1. La deuxième est placée à 80 mètres du départ, la troisième. Elisa Dude, du Quimper athlétisme et espoir à l'extérieur, Julia Ibrahim, attention à elle. Regardez bien l'extérieur, elle est la plus jeune duo de Sarah Loirette, du club, et Mine de la ville, elle est cadette, elle se pose. Et on va les récompenser par vos applaudissements et vos encouragements, s'il vous plaît. Allez, public, on y va, on fait du bruit. Tout ça. Et oui, mais nous en parlons, allez-y. Voilà, ça fait un bel effort pour la tête de France et du club. Ça nous donne peut-être la fin de cette course. Et à l'extérieur. C'est parti, il faut se lancer, évidemment, si on veut espérer faire partie des 32 qualifiés pour le championnat de France jeune. Pour la semaine prochaine, les championnats de France espoir qui auront lieu à Albi. Il faut se lancer, c'est ce que fait brillamment Maëlène Lossomer de l'athlète du Pays Bas, qui voit devant elle le maillot du CNCO porté par Lilou Joly. Rosane Bouris du LTA également fait un bon retour pour occuper l'une des trois premières places de ce 400 mètres. On est à 150 mètres de la ligne d'arrivée. Elles vont mettre une petite vingtaine de secondes pour couvrir ces 150 mètres. Entre 21 et 23 secondes chez les féminines.
l'hymne sonore à l'extérieur. Allez, 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 allez. Marie Le Pen piste avec un vent capricieux hein, qui nous dérange un petit peu.